That's more like it. Now, how about one of those epic logos? That's the stuff. See, when two adversaries set aside their petty squabbles, they can... I'm calling my agent. Never mess with the animators. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui le 35e épisode de notre let's play de Ratchet et Clank l'intégrale. J'espère que vous allez bien. Pour bien commencer, je tiens à remercier deux personnes. Je tiens d'abord à remercier notre cher Alexis qui est toujours vivant et toujours présent aussi. Donc merci à toi qui regarde cet épisode et bien sûr... Celui que j'inspire, celui que je transcende, Flak, Bravo, ou l'ECM, peu importe, c'est la même personne. Bravo, bravo. Bref, après cet instant dédicace de merde, désolé, on va continuer. Aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt à de l'annexe plutôt que de continuer le principal. D'abord, on va retourner à plusieurs endroits, notamment maintenant qu'on a le gant à Arachnorobot, on va retourner sur Dobo. Et du coup, on va faire les boulons Platinum et le Nano Boost. On va tenter. Alors le Nano Boost, hein, vous vous rappelez, il est au niveau de la fin de l'usine hein, du centre d'expérimentation de Dobo. Et il était assez en hauteur, donc il faut faire un trick de ouf pour le choper. J'ai rematé la vidéo plusieurs fois pour essayer de bien m'imprégner. On a bien le gant à araignée là, ouais. Ça va être super important pour un boulon platinum un peu plus tard. Aussi, on va pouvoir faire le point de compétence de la planète qui est de tuer tous les ennemis. Alors, dans cette zone seulement, pas dans l'usine. Parce que l'usine, bon, bah du coup, maintenant, on s'en fout. Mais voilà, rappelez-vous, ce nano boost est là. Alors, c'est pas sûr que j'arrive du premier coup. C'est même sûr qu'on va se planter. L'objectif est de passer là. De faire une espèce de montée demi-tour sans rien voir, bien évidemment. Alors si on peut bouger la caméra, mais le but c'est ça effectivement, c'est de passer la première salle, faire une espèce de montée demi-tour, descendre. Je me suis fail. Faudrait idéalement passer dans la section du haut. Et il y aura un même délire à la fin du parcours pour un boulon platinum. Voilà. Oui, pas trop parce qu'on va décrocher. Là, c'est pas trop mal. Alors maintenant, il s'agit de pas se louper là. Et voilà. C'est parfait. Alors, donc maintenant, on peut poursuivre. Oh là. C'est pas grave. Je suis content, on a réussi du troisième coup. C'est parfait. Je présume que les speedrunners qui doivent faire le 100% du jeu doivent tryhard pendant très longtemps afin de maîtriser ce passage. On n'a plus la musique d'ailleurs, tiens. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est très impressionnant à voir. Je ferai, je pense, j'en avais parlé il y a très longtemps quand on faisait Ratchet & Clank 1. Je pense qu'on fera les commentaires des speedruns. Des 100%. Alors qu'il dure très longtemps, hein. Il dure en général 2-3 heures. Il est là. C'est bon, on l'a eu. Olé ! Parfait. Bon. Ça c'est fait. Alors maintenant, on peut repasser. Hop, ici. Et maintenant, on va faire l'objectif suivant qui est de détruire tous les ennemis avec des armes du premier Ratchet. Donc c'est-à-dire Griffer Tesla, gant à bombe repousseur, canon visibombe et gant à l'heure. Alors on va voir si on y arrive. Parce que de toute façon le boulon platinum qu'on cherche,
et plutôt à la fin du parcours. C'est trop bien hein, cette arme. Le repousseur, c'est vraiment bien. Voilà, parce que ça permet de bien faire valdinguer tout le monde. Et ça, c'est vraiment bien. Je sais pas si la clé est considérée comme. Alors oui, c'est vrai que ça va être chiant. Il va falloir revenir tout le temps au menu. Si. Merde, bah c'est considéré comme l'arme du. Une arme du premier Ratchet. Je pense que oui, en théorie. Attends, genre on peut le niquer maintenant lui? Vas-y. Alors si on n'a pas marché, on saura que c'est parce que j'ai frappé à la clé les poulets là. Est-ce qu'il me tire de là? Oh merde, il peut me tirer de là. Non, ça explose avant. Ok, parfait. On a de la chance à ce niveau là. On va pouvoir lui démonter la face. Ah, ça c'est bien. Parce que du coup celui-là il nous fait pas mal chier. Je sais pas combien de coups il lui faut par contre. Voilà. 5 on a utilisé hein, c'est ça. Est-ce qu'on voit les autres ennemis de là? Non. Alors sachant qu'on a fini la planète aussi, normalement il devrait y avoir moins d'ennemis. Donc plus de facilité pour nous à faire ce point de compétence là. Il n'y a plus personne. Ah si. Ah mais ils sont pas en haut. Il n'y en a pas en haut. Parfait. Alors. Ouais, alors là ça va être un passage un peu délicat. Mais si on bouge tout le temps, ça devrait le faire en théorie. Pff, attention à pas tomber à la flotte non plus. C'est la merde. C'est la grosse merde. Alors attendez. C'est pas grave. Au pire les suivants on le fait au canon visibombe. C'est bien aussi. Quoique le griffeur Tesla ça peut être pas mal hein. Pourquoi on a plus de musique? La musique elle bug aujourd'hui. Ok, on va les faire au canon visible. Et quoi, j'ai pas envie de me faire yesh. Canon visi. Non, en théorie, il me voit pas. Hein. Paf! Ah, si, il m'a vu. Oh, on est bien placé. À bonne distance. Paf! Ah, bah, t'as plus de tête, gars. Ça n'empêche pas de tirer apparemment. Est-ce qu'on est safe? Ça fait très bizarre son musique. Hein. Je sais pas pourquoi on en a plus. Ah, j'entendais des poulets de là. Vous avez entendu vous aussi? Sinon la musique je la rajoute au montage, hein, c'est pas trop. Lui aussi il va partir en mode visibombax. Wow. Ils sont cons à ce point? Ouais, moi ça m'arrange. Ah ouais, alors par contre. Bien visé quoi. Paf! Ok, lui c'est bon. Ou alors normalement en bas. Repousseur is ok. Il est pas mort hein. Ah si il est mort Bernard. Oh Bernard est mort. Allez. Mourir par des poulets c'est quand même ouf hein. Ce serait dingue hein. Je vous jure moi ça fait bizarre sans musique hein. En tant que libre du jeu. Je sais pas pourquoi. Oh merde, ils sont là les cons. Normalement, on devrait pouvoir les atteindre aussi. Sans problème. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'ils peuvent me tirer de là?
Ça n'a pas l'air. Tant mieux. Oh putain, ça a touché l'autre aussi. C'est formidable. Bonjour. Au revoir. J'ai tué celui du fond aussi là. Et paf! Ça aurait pu être un coup de génie, il aurait pu tomber dans le vide. Et là, ça aurait été formidable. Voilà. Y'a pas des caisses de lune dans le coin? Ah, je vous jure, c'est une toute autre ambiance. Hein. Alors. Parce que maintenant, y'a là. Et ils sont là. Là maintenant il y en a en haut également. Est-ce qu'il y en a au sol là? Oui. On va essayer de se mettre un peu dans un coin caché là. Ok. Il me voit pas. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est bien le canon visibomba. On prend vraiment un véritable plaisir à lui défoncer le cul. C'est vraiment bien. On prend du temps par contre. Hein. Ça, bon, c'est un peu le problème. Ce genre de solution, mais. Ah, c'est dommage. Je vais essayer d'être bien au milieu. Bien péter les deux. Mais bon, s'il en reste juste un. Ça devrait faire. On va essayer avec le bonhomme là. Bonjour, monsieur. Boum. Merci, monsieur. Alors c'est où exactement le qu'il faut utiliser le robot? Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est un tout petit peu plus loin. Hop. Il n'y a plus d'ennemis. C'est parfait. J'essaie de pas me chier au niveau du... Ah c'est là. Hop. Alors le grand arc le robot. Donc c'est la première fois qu'on l'utilise. Tout simplement bien savoir viser déjà et hop voilà, l'araignée peut pas le récupérer donc c'est moi qui dois le récupérer tout seul et pour cela je dois me diriger à la porte qui est devant ce bâtiment. Et le voilà! Formidable! Ça c'est bon. Ok. Par contre, vous voyez que j'ai l'impression d'avoir tué tous les ennemis. Et pourtant, je n'ai pas eu le point de compétence. Donc, ce qui signifie que la clé n'est pas considérée comme étant une arme du 1. Et donc, j'ai foiré la mission à cause de ça. Donc, tant pis, c'est pas grave. Si on meurt, c'est pas grave. De toute façon, on revient au début. C'est fait exprès, c'est un warp. Ok, donc, règle ne pas utiliser la clé. C'est super bien. Ok. Bon, on va dire que c'est. Qu'on a complété ce que l'on voulait. Même si c'est pas du tout le cas. Mais on reviendra plus tard sur Dobo pour faire ce point de compétence histoire voilà d'être dans la complétude. Donc maintenant on va retourner sur Andako pour la dernière fois en théorie, sauf s'il y a d'autres trucs de Slim Cognito un peu plus tard. Hop. Pour récupérer un nano boost. Elle est où ma page des nano boosts? Elle est là. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait débloqué l'infiltrateur. Donc, elle est par là. On avait débloqué l'infiltrateur qui permet d'ouvrir les serrures. Alors, le truc, c'est que je prendrai des notes parce que. C'est un peu compliqué pour la serrure à ouvrir. Regardez, moi aussi j'ai utilisé des pistolets laser.
Alors c'est un peu plus loin dans le niveau, donc on a un peu le temps. Normalement la caisse est toujours au bon endroit. Oula, reste pas coincé dans un mur. Hop. Bon, je l'ai pas vu, mais bon. On est dans les premiers niveaux, donc ils font pas beaucoup de dégâts, les mobs. Mais bon. Notre pistolet à lave ne gagne pas beaucoup d'expérience non plus, du coup, par extension. Bonjour. En vrai, sur les nanoboosts, on est bien avancé, du coup, vu qu'on en a 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on va avoir le 7ème, il y en a 10 en tout. Moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est écrit en bas de moi. Vous le voyez normalement. Ça c'est pour voir si on s'est pas trompé. Du coup la prochaine fois, là aujourd'hui on se concentre plus sur de l'annexe. Donc on va faire un épisode un peu plus court, je crois que c'est ici. Que d'habitude. Sinon on se fera un petit peu de cristaux de Tabora. Ah bah. Donc c'est celui-là. C'est cet infiltrateur-là. Va falloir noter. Vous voyez que sur le côté... Donc là, du coup, on commence avec 3 possibilités. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sections à faire. Donc il va falloir bien noter tout ça. Donc en général, j'utilise les positions nord, sud, est, ouest... Et quand on est en diagonale, ben nord-est, nord-sud, nord-sud, nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest. Ok, donc je vais noter. Donc déjà, ouest, c'est mort. Nord, nord-ouest, nord, c'est mort. Donc on va essayer nord-nord-ouest pour l'instant. Nord, nord-ouest, ouest. Donc que ce soit nord ou ouest, c'est mort. Donc on va dire sud. Nord, nord-ouest, sud. Nord-ouest, nord. Ça risque d'être long, hein. Je vous le dis. Sud, nord-ouest, nord. Nord-ouest, c'est mort. Sud-ouest, on va tenter. Nord, nord-ouest, sud. Nord-ouest, nord, sud-ouest, nord c'est mort, ouest, nord, nord-ouest, sud, nord-ouest, nord, sud, non, sud-ouest, ouest, on avait dit, mais j'ai pas le temps. Ouest, nord, sud-ouest, ouest, sud-ouest c'est mort, donc on peut tenter sud. Et ouest ensuite. Nord, nord, ouest, sud, nord, ouest, nord, sud, ouest, ouest, sud, ouest. Ah, je pense qu'on était pas loin. En vrai, je regarde ni le temps restant ni le il reste sur le côté. Nord, nord, ouest, sud, nord, ouest, nord, sud, ouest, ouest, sud, ouest, nord, ouest, ouest. Nord, ouest, ouest. On y est bientôt, hein. Je le sais. C'est pas hyper. Non, on a dit ouest. Ouais, c'est sud-est. Donc là, jusque-là, c'est bon. Nord, nord, ouest, sud, nord-ouest, nord, sud-ouest, ouest, sud-ouest, nord-ouest, ouest. Donc c'est sud. Oh merde, pardon. J'ai changé de scène, j'ai pas fait exprès. Nord, nord-ouest, sud, nord-ouest, nord, sud-ouest, ouest, sud-ouest, nord-ouest, ouest, sud. C'est bon. Ok. Et nano-boost. Récupéré. Très bien. Bon, on en est qu'à 19 minutes. Donc, ce que je propose, c'est que... on revienne en arrière et on va un tout petit peu
avancer sur les cristaux de Tabora. Je propose que 20 de plus nous suffisent. On en avait fait 20 la... On peut aller chercher le d'ailleurs le boulon en platinum de Tabora, c'est pas une mauvaise idée. Et se faire peut-être 20 cristaux de plus, histoire d'être à 40. Parce que la dernière fois, on en avait fait 20. Donc je vais me mettre sur la page des boulons platinum. Le temps que... Hop. Tiens, on peut d'ailleurs... passer par Slim, voir est-ce qu'on a assez de boulons platinum pour faire quelque chose ou pas. On a 4 platinum, donc parfait. Voilà. Donc là, on n'a plus rien. C'est le vide. Donc on ira voir aussi le Slim sur Tabora. Ce qui va nous permettre de justement... trouver le boulon en or. En or, platinum, ça y est. Les mauvaises habitudes reviennent. Oui. Ah on a Ouzla aussi. On a le boss. Ah, on va faire Ouzla. On a le boss caché. Alors, je sais pas si on a les armes assez puissantes pour lui péter le cul, mais. En plus, c'est pour obtenir un objet sympa, le casseur, qui permet en faisant une cométo frappe. Donc, dans le jeu, c'est sauter et puis frapper en l'air la clé. De casser toutes les caisses et tout le décor alentour. Merci d'avoir choisi Megacorp et à bientôt. Et donc de remporter les boulons. Alors, on va voir si on a assez ou pas. J'espère que oui. Donc il nous fallait les bottes gravitationnelles qu'on a débloquées dans l'épisode précédent. Attention, si vous souffrez d'épilepsie, rendez-vous au timecode 28 minutes et 35 secondes. Ah, j'espère que je suis plein. On vérifie tout de suite avant de mourir. Je pense que l'on est plein. Donc on n'a pas beaucoup d'armes, mais... Donc voilà, donc le monstre... Démarrer mi-temps est là. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'il nous envoie. Oh, il fait pas si mal que ça, en vrai. Donc vous voyez qu'il va falloir quand même... Il faut faire gaffe à pas mourir noyé. Faut faire gaffe quand même à. Oh putain. À ne pas mourir dans l'huile de friture. Et à bien sûr éviter son haleine dégueulasse. Ouh là là. Ouais, en général, dès que la caméra recule. Vous voyez qu'il a quand même pas mal de vie. Merde, je me le suis pris dans la gueule. Là, ce qui ferait le plus mal, ce serait de mourir noyé dans la merde. Ça ferait pas du bien. Alors, on va avoir vite un problème. Hein. Ça va être le manque de munitions. Donc à mon avis, on a peut-être pas le niveau actuel. Pour le battre. Oh, ça fait mal le cracheur d'étoiles. Ouais, alors je préférais pas m'éloigner, ce qui était une très mauvaise idée. Ah oui, merde. Ah oui, alors là. C'est bon. Ah ouais, non mais faut se remettre tous les patterns en tête.
Le cracheur d'étoiles en vrai c'était pas mal hein. Putain ça fait rien ça. Oh si quand même. Oh c'est dommage ça. Ok, en vrai HK22 et le cracheur d'étoiles c'est pas mal hein. On va se baser sur ça. En vrai ouais, c'est bien hein. Est-ce que ça atteint de là? Ouais, voilà, comme ça on lui met la sauce dès le début. Alors, je suis désolé pour les épileptiques. Je m'excuse auprès de la commu. Mais waouh, je mettrai une alerte avant hein. Parce que même moi ça m'aveugle, c'est horrible. On envoie le paquet dès le début hein. J'ai oublié qu'il pouvait nous tabasser le cul. Allez. Vise bien. C'est tout ce que je te demande, Ratchet. Ok, donc là il est midlife. On s'en sort plutôt pas mal. Je sais pas si ça fera grand chose. On s'éloigne. En vrai, je pense qu'on est plutôt sur un bon essai là. Je sais pas ce qu'il essaie de faire là. Il fait des espèces de pas de côté un peu chelou. Je comprends pas ce qu'il fait. Ah bah ouais. Ouais, il fait mal par contre hein, quand on est dans son estomac là. Allez. Allez, allez. Il faut mourir monsieur. On va s'éloigner quand même. Waouh, le sniper. Ouais. Attendez. Oh! Oh là là! Oh le sniper c'est la folie! Le sniper c'est la folie! Parfait! Oups! Oh là là! Magnifique! Et voilà! Formidable! Alors ça complète pas le 100% mais c'est bien de le faire! Voilà, donc maintenant on a le casseur, ce qui fait que si je fais ça, vous avez tout ce qui est autour à péter. D'ailleurs on a un point de compétence à faire à ce propos, c'est de détruire tout ce qui est cassable dans l'enceinte de Megacorp, du magasin là. Mais bon, on pourrait faire ça en vrai. En vrai c'est pas déconnant, mais il faut revenir au début du magasin. Donc c'est ça, hein, que je ne me trompe pas, il y a bien un point de compétence de tout casser. Voilà, tout détruire dans la boutique Megacorp. Écoutez, je pense que c'est le moment idéal. On va refaire le plein de mun quand même. Hop, repartir sur le pistolet à lave. Map. Le magasin est bien par là. J'avais un micro doute. Bon, on n'a pas beaucoup de vie, mais ça va le faire. C'est pas une zone dure, de toute façon.
On les touche à peine, ils meurent. J'ai pas envie de dire. Isaac. Et après, on a plus à revenir à Ouzla en fait. Hein. Y'a plus le monsieur ici? Non. Rappelez-vous ce monsieur qui demandait tout le temps de l'aide. Qui a été malheureusement dissous. Terrible. Alors. On avance tranquillement. Y'a plus de mobs là. Voilà. Ok. Donc voilà, casseur qui va être assez utile du coup pour faire ce point de compétence de tout détruire dans le magasin. Hop, bon, du coup j'ai pas besoin de récupérer la caisse. Justement, on arrive sous nos magasins. D'ailleurs, les speedrunners ne récupèrent même pas la dynamo. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Mais bon, on en a pas besoin. Hein. Voilà, donc à partir de là, il faut tout casser. Donc là, pour l'instant, on a rien de cassable. Hop, c'est plus dans la section d'après. Voilà. Ici, qu'il va falloir tout casser. Là. Vous avez vu que c'est quand même pas mal efficace comme méthode. Est-ce qu'on a tout cassé? Non. Voilà, maintenant on a tout cassé. Formidable. Et on a un trophée en plus. Donc je ne note ça tout de suite. Donc Ouzla normalement est 100% compléter, c'était quoi? Frapper et attaquer. Voilà, c'est celui-là. Vous reprendrez bien un peu de vandalisme. Ok. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait pas mal d'annexes. La prochaine fois, on fera... on fera Todano, quand même. Et l'annexe des... des cristaux de Tabora et le boulon qui est là-bas. On verra ça une prochaine fois. Le plaisir d'offrir à ses employés une réduction de 3% sur tous ses articles. Les taxes habituelles restent en vigueur. Et voilà quoi. Donc écoutez, moi je retourne tranquillement à notre vaisseau. Et écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une... Olé, très belle journée. Et on se donne rendez-vous mercredi, c'est ça, mercredi, pour la suite. Oh, c'est le délire, j'ai envie de refaire le parcours là. Mercredi pour la suite de nos aventures sur Ratchet et Clank. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.